Le débrief de l'interview d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, était l'invité d'Europe 1 ce matin en format présidentiel. Emmanuel Dutheil, le patron du service économie d'Europe 1, et Louis Dragnel, celui du service politique, sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. Bonjour Louis, à tous. Louis, je commence avec vous. Une impression générale peut-être à l'issue de cette demi-heure d'entretien avec Olivier Faure. Qu'est-ce qui ressort selon vous? Moi j'ai trouvé honnêtement que l'entretien déjà était vraiment très intéressant. Il a commencé par revenir sur la candidature d'Anne Hidalgo. On sent qu'il est quand même un petit peu gêné, il reconnaît hein, quand même que ça prend pas. Il dit d'ailleurs, je sens une curiosité. Il parle d'ailleurs ensuite de son parcours, une femme qui s'est élevée à la force d'elle-même. Et ensuite, on voit bien qu'il a été, il a répondu à toutes vos questions, mais à aucun moment il est revenu sur la candidature d'Anne Hidalgo. Donc moi, je trouve que ça, c'est intéressant, parce que d'habitude, quand on reçoit le patron d'un parti politique, systématiquement, il revient à la candidature, à la personne qui va porter les couleurs du parti à la présidentielle. Et bien là, avec Olivier Faure, ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et puis, je trouvais que c'était aussi assez intéressant de voir Olivier Faure qui, au fond du fond, voulait répondre à vos questions de manière plus franche, peut-être plus sincère sur les questions de police, d'insécurité, d'immigration. Et puis, il a terminé par dire, voilà, je parle au nom du Parti Socialiste, pas des autres partis, mais notamment du Printemps Républicain. Et on sentait qu'il était quand même, ça c'est quelque chose qui est assez propre au Parti Socialiste, un petit peu enfermé, prisonnier dans cette espèce d'appareil qui l'empêche d'aller plus loin. Même si, voilà, on sentait au fond de lui qu'il avait envie de vous répondre de manière extrêmement claire, extrêmement sincère sur les questions, voilà, de soutien à la police, vous savez, quand vous l'avez interrogé sur l'acceptation de la police dans les quartiers, voilà, on sentait qu'il n'était pas très à l'aise et il reconnaissait de lui-même, d'ailleurs, que ce qu'il vous expliquait ici même n'était pas forcément partagé par toute la gauche. Oui, effectivement. Toute la gauche, effectivement. La police tue de Philippe Poutou, effectivement. Absolument. C'était dans ce sens-là que je lui posais la question sur la gauche décomplexée en miroir de la droite décomplexée. Emmanuel Dutheil, alors, vous êtes un peu malheureux là parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'économie avec Olivier Faure. Justement, est-ce que vous pouvez nous esquisser les grandes lignes du programme économique du Parti Socialiste pour 2020? Oui, parce qu'Anne Hidalgo, on avait fait une pierre angulaire quand même de son discours à Lille, hein, qui était le deuxième étage de la relance de sa candidature. Ah bah l'emploi, c'est même d'ailleurs le premier chapitre du programme du Parti Socialiste. L'emploi et l'égalité salariale, qui est le corollaire dans le programme d'Anne Hidalgo, puisque effectivement, elle a un point très important, c'est notamment l'égalité salariale femme-homme. Peut-être le seul point où on est revenu ce matin là-dessus avec Olivier Faure. Donc elle veut effectivement y arriver en 5 ans pendant toute la durée du quinquennat. Elle veut aussi aller plus loin avec une assurance chômage universelle, donc quelque chose qui couvrirait mieux qu'aujourd'hui les chômeurs, une augmentation des salaires pour ceux qui sont dits de la première ligne notamment. Alors c'était pas le mot exact qui est dans le programme du Parti Socialiste. Alors il y a un moment dans le programme, je vous interromps Emmanuel, mais c'est très parlant, on voit un militant avec un t-shirt et dans son dos écrit « du respect, du temps, de l'argent ». Ça semble être le programme économique du Parti Socialiste, mais alors très étonnant, c'est-à-dire que cette idée des 32 heures par exemple adoptée par la gauche espagnole, on a vu Anne Hidalgo ces derniers temps avancer, puis faire marche arrière sur ce sujet-là. N'assume pas totalement en fait les propositions qui sont potentiellement celles du Parti Socialiste. Oui, effectivement, là-dessus, vous avez totalement raison. Sur la durée du temps de travail, elle n'a pas encore esquissé un saut total vers une proposition formelle sur les 32 heures. Mais malgré tout, on voit que, et les trois mots que vous avez cités sont sûrement très importants dans le programme d'Anne Hidalgo, on voit que c'est vers cela qu'ils vont aller. Mais pour être extrêmement franc, moi j'ai dû aller lire le programme ce week-end pour savoir véritablement ce qu'il y avait dedans. J'avais très peu entendu, pourtant j'avais écouté les discours de lancement de candidature d'Anne Hidalgo. J'avais retenu, bien évidemment, le doublement des salaires des profs et ce genre de choses. Mais j'avais très peu retenu. Ça n'apparaît pas d'ailleurs dans le programme. Non, ça n'a pas. Effectivement, c'est marrant. Vous disiez ça. Revalorisation salariale des enseignants. Parce que du coup, j'ai relu plusieurs fois et je ne l'ai effectivement pas vu. Mais en tout cas. Et sûrement l'interview de ce matin est un révélateur aussi de cela, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le sentiment qu'Olivier Faure venait la soutenir sur ces questions, alors que lui-même est revenu plusieurs fois en disant « mais attendez, c'est la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat », et il n'y a pas eu beaucoup de choses là-dessus. D'ailleurs, Louis Dragnel, le regard politique, très intéressant, c'est ce que dit François Hollande d'Anne Hidalgo. Ils se sont vus ce week-end, notamment, je crois que c'était à Brive, je ne vais pas dire bêtise, absolument. Ou à Châteauroux, je ne sais plus, Brive. Non, c'était pour la foire du livre. Juste avant. Voilà, et dans son dernier livre, François Hollande dit explicitement qu'il aurait préféré Bernard Cazeneuve qu'Anne Hidalgo. Il le dit, il l'écrit, il s'est couché. Et il a l'impression, François Hollande, d'une candidate obéissant à une logique sacrificielle.
ça y est, elle y va, il faut bien qu'il y ait un candidat qui y aille, qui se sacrifie. Et Anne Hidalgo endosse ce rôle et elle monte au bûcher, quoi. Alors, comme souvent avec François Hollande, vous savez, dans ses phrases, il y a des choses gentilles et puis il y a des choses désagréables, parce que la dimension sacrificielle, c'est plutôt positif pour Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est toujours... Non, on y va pour gagner, on y va pas pour se sacrifier. Oui, mais il y a quand même ce côté, elle y va pour relever un peu pour essayer de gagner le combat qui est difficile à gagner. Elle donne de sa personne, il y a quand même, c'est une dimension qui peut être positive de dire ça. Ensuite, quand il explique François Hollande que son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve aurait sans doute fait mieux que Anne Hidalgo, bah là, pour le coup, c'est clairement désagréable. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que François Hollande en sous-main a quand même tout fait pour empêcher ses anciens lieutenants de s'en sortir. Hein. Bernard Cazeneuve n'a pas franchement été aidé par François Hollande. Saturne dévorant ses enfants. Exactement, mais c'est assez amusant parce que si on regarde ça avec d'un point de vue de l'analyse politique, parce qu'en fait on se rend compte que d'autres anciens chefs de l'État ont fonctionné aussi un petit peu de la même manière. À droite, c'est à peu près la même chose qui s'est produit quand même pendant pas mal d'années avec Nicolas Sarkozy. Emmanuel, très brièvement, sur la question du moment, la question énergétique, la question du nucléaire, le Parti Socialiste, la transition, il l'a fait avec ou sans l'atome ? Avec un peu de nucléaire, je crois, mais là vous me posez une colle parce que je me souviens plus d'avoir lu quelque chose là-dessus. Je ne crois pas y avoir lu. Je crois pas qu'il y ait de paragraphe là-dessus, mais alors vous me mettez un gros doute parce que j'ai peut-être raté ce bout-là. J'étais allé très regarder les parties sur le pouvoir d'achat et tout, mais je crois pas qu'Anne Hidalgo ait annoncé une sortie totale du nucléaire. Sur le pouvoir d'achat, d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Gros accent mis sur les inégalités, mais on se croirait aux États-Unis alors que les inégalités est un thème qui ne perce pas. En France. Pour le moment, oui. Pour le moment. Merci messieurs Louis Dragnel, Emmanuel Dutheil, le patron du service politique et économique d'Europe 1.